Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle semaine, cette dernière semaine du mois de novembre 2022. Nous sommes lundi 28 novembre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors on termine avec l'oracle des énergies et on terminera aussi la capsule avec le message de ton âme. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé à l'endroit lien affectif. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien en partenariat, et ça peut être un lien possible d'un amour. Alors on voit sur le graphisme, hein, sur la photo, ce beau jeune homme, cette belle jeune fille, avec un bouquet. Et puis ce jeune homme qui tient cette belle jeune fille dans ses bras. Donc ça fait chaud au cœur. Moi, ça me. Voilà, ça. Waouh, c'est beau. On ressent de la douceur, de l'amitié, peut-être de l'amour. Voilà, ça me parle en tous les cas. Alors, à l'endroit, je l'ai pigé à l'endroit. Cette carte, elle indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va devenir un ami. Ou alors, vous avez un ami ou une amie et vous allez approfondir cette amitié. Pour certains d'entre vous, ça se pourrait que vous ayez des sentiments beaucoup plus que de l'amitié. Ça pourrait être des sentiments amoureux. Si vous avez dans votre entourage un ami, une amie, et que vos sentiments ont changé, eh bien, cette carte, elle vous invite à l'exprimer avec évidemment pas plaque-zac, avec un petit peu de distance pour voir si votre ami ou amie ressent peut-être aussi des sentiments amoureux. Ne lui dites pas de but en blanc. Essayez de tâter le terrain. Il se pourrait aussi que vous rencontriez une personne et qu'il y ait une possibilité d'un amour. Je vous invite à être à l'affût de ce qui se passe autour de vous, parce que cette personne, elle n'est pas loin, elle est tout près de vous, mais vous ne la voyez pas pour certains d'entre vous. Peut-être que cette personne ne répond pas à vos critères physiques, et pourtant, cette personne vous convient. Je pense il serait de bon aloi de dépasser les critères physiques. Vous savez, on peut être beau, belle, mais tais-toi. Le physique, c'est une apparence. Il faut aller plus en profondeur. Qu'est-ce que la personne a dans le fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que son âme représente? Qu'est-ce qu'elle dégage? Parce que le physique, oui, soit beau, mais tais-toi. Mais moi, ça ne m'intéresserait pas, ça. Sois belle et tais-toi. On peut être beau et ne pas avoir une belle âme.
être beau à l'intérieur. Donc je préférerais pour ma part, n'est-ce pas, moins beau physiquement et avoir une très 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 belle âme. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous vous arrêtez sur le physique et pourtant il y a quelqu'un autour de vous qui est fait pour vous. Ouvrez les yeux. Ça peut être, vous allez peut-être vous en apercevoir lors d'un dialogue, lors de rire, des échanges. Et vous allez vous apercevoir et dire, ouais, mais on a beaucoup de choses en commun. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter rien que sur le physique. Hein. Pour d'autres, eh bien, donc comme je l'ai dit, une amitié pourrait se transformer en amour. Mais ça peut être aussi le lien affectif que vous soyez en partenariat avec une autre personne. Alors, la personne qui est autour de vous, n'est-ce pas, elle a un lien karmique avec vous. Et elle pourrait apparaître dans votre vie, cette personne. C'est-à-dire qu'un lien karmique, c'est quelqu'un que vous auriez connu dans une autre vie. Et pas nécessairement que vous étiez amoureux dans une autre vie, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un autour de vous, il y a un tendre lien karmique, vraiment, qui pourrait apparaître dans votre vie présentement. Regardez bien autour de vous, soyez à l'affût. C'est une belle carte pour commencer, je trouve, la dernière semaine de ce mois de novembre. Donc voilà, l'amour est là, que ce soit l'amour-amitié, l'amour-amour, il est là, l'amour, voilà, avec un grand A, hein, l'amour inconditionnel, ce lien affectif qui fait tellement, tellement du bien à notre petit cœur, n'est-ce pas? L'affirmation d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Oui, il est sur votre chemin. Là, il arrive, il est sur votre chemin et vous ne le voyez pas. Peut-être que vous occultez. Peut-être parce que vous n'avez pas encore fait le deuil de votre situation ancienne. Et pourtant, il est bien là, n'est-ce pas? Allez, on termine avec le message de ton âme. Alors, message de ton âme. Voguer, excusez-moi. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Waouh, quelle belle synchronicité, n'est-ce pas, avec le lien affectif. Voguez, laissez-vous juste porter. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Sur l'énergie, n'est-ce pas, qu'elle va profiler la journée énergétiquement. Voilà, wow, Fabienne, c'est le matin, hein? C'est dur. Allez, je vous embrasse et puis portez-vous bien, à demain.